Bonjour et bienvenue à Vidéo Terreur. Eh oui, épisode 5 de la saison 5. On va se payer un bon trip. On va parler de la série Halloween. Et pour en parler, un grand fan et un spécialiste et un ami, Jimmy Francoeur. Hey! Ça va, Jimmy? Oui, toi? Oui, ça va, ça va. Donc, la série Halloween, c'est quand même mythique parce que, l'Halloween, c'est aussi associé à l'horreur depuis, longtemps, puis toujours, quand t'es petit, tu te déguises, la peur, etc. Et le film est pour quelque chose là-dedans, là, dans le sens, je sais pas si on associerait autant l'Halloween à l'horreur si c'était pas de la série de films. Ben, écoute, c'est une bonne question. En fait, c'est sûr que je te dirais, tu sais, l'Halloween, par nature, je dirais, c'est souvent associé au morbide, au macabre, donc... Je pense que de faire une adéquation entre l'horreur puis l'Halloween, c'était pas très difficile. En fait, c'était quand même un bon coup de marketing aussi d'aller chercher ça. Fait qu'on va se pencher sur la série Halloween. On s'est déjà penché sur la série Vendredi 13. Je trouve quand même que c'est une série qui est plus dure à analyser. Il y a moins de cohérence dans la série, dans la série qu'au niveau des Vendredi 13. T'sais, si on regarde, j'ai regardé ça avec un pas de recul. Tu sais, mettons, Vendredi 13, on peut dire que c'est associé à un endroit, tu sais, un thème, Crystal Lake, qui est Crystal Lake, c'est une colonie de vacances qui fait que par nature, qu'il y ait des gens qui vont et qui viennent, c'est quand même, je dirais, attendu. Jason, ses motivations sont quand même, je dirais, simples, là, tu sais, tous les intrus vont être tués. Halloween, je dirais, la mythologie est quand même différente. Tu sais, si on regarde, je dirais, au niveau du... des motivations, de Michael Myers, le tueur d'Halloween, c'est un peu nébuleux. Il semble y avoir quelque chose au niveau de la famille ou il y a quelque chose au niveau, je dirais, familial. Mais, santé mentale aussi. Santé mentale. Oui. Puis on est quand même aussi à rattacher un personnage, là, Laurie Strode, là, qui va être joué par Jamie Lee Curtis. Oui. Puis, tu sais, tout l'univers, je dirais, toute la mythologie d'Halloween va aussi graviter autour du personnage de Jamie Lee Curtis. Qui des fois va être dans la série, des fois il ne sera pas. Mais je pense que ça a complexifié un peu, je dirais, la série, parce qu'encore une fois, des fois, on ne sait pas nécessairement... Tu sais, Halloween, est-ce que c'est un personnage? C'est pas nécessairement un endroit, même si, ça se passe à Dunfield, là, dans le premier. Mais, tu sais, les attaches sont un peu plus floues. Puis quand on s'attache à un personnage, tu sais, on va s'ancrer avec le personnage de Jamie Lee Curtis... Tu sais, c'est dur aussi qu'un personnage porte, appelons ça une victime, va porter un film pendant 13 épisodes, parce que là, on a 13. Elle se victimise un peu. On peut dire ça de même. Fait que je pense quand même que, tu sais, il y a eu beaucoup là, de... Puis je pense qu'il y a eu... Il y a beaucoup de films qui sont ordinaires aussi dans la série. Ce qui fait que ça n'a pas dû aider au niveau de la scénarisation. C'est inégal. Ouais. Tu sais, on l'a déjà dit... Vendredi 13, il y a eu des hauts et des bas, mais c'est quand même une série globalement qui est solide. T'sais, Halloween, on a aussi beaucoup des fois tenté de repartir la série, de repartir la mythologie. On va le voir là, tout au long de l'épisode. Fait que c'est une série, je te dirais, avec vraiment clairement des grands classiques, des bons films, des films moyens, puis des films clairement très moyens. OK. Fait qu'on commence en 78? 78, avec John Carpenter, le premier Halloween. Souvent, on va dire à tort là, que c'est la vague des slashers a commencé avec ce film-là. En fait, là, si on veut être honnête, c'est plutôt en 74 avec Black Christmas, qui a déjà aussi, comme je dirais, tagué une fête et un film d'horreur. Là. Fait que Halloween n'a même pas le mérite, je dirais, d'être le premier film qui va réutiliser une fête. Fait que Black Christmas, c'est vraiment... Souvent, on va s'entendre pour dire, là, en termes de slasher nord-américain, là, c'est probablement là que ça va commencer. Mais Halloween va probablement être celui qui va lancer, comme je dirais, deux vagues. La vague de... Parce que Carpenter, à ce moment-là, c'est un cinéaste indépendant. Il n'est pas backé par des gros studios. Fait que c'est un film à petit budget qui va rapporter énormément. Fait qu'il va lancer un peu, je dirais, la vague aussi des films à petit budget qui rapportent gros. Okay. Ça, c'est un point. Puis le deuxième, c'est vraiment, je dirais, le côté plus mythique du tueur masqué... tu sais, là, qui va tuer. Fait que cette structure-là, je dirais, plus classique du slasher, on peut dire qu'elle va être quand même établie avec Halloween. Là. Fait que le premier, écoute, on en a déjà parlé. En termes de réalisation, c'est un film qui est vraiment extrêmement bien fait. La musique. T'sais, la musique de Carpenter est déjà très, très solide.
tu sais, le jeu de l'actrice, là, Jamie Lee Curtis, c'est son premier rôle, mais on voit déjà que c'est une actrice de talent. La réalisation est super. C'est le slasher, je dirais, typique. Puis ça va être un film qui va avoir une influence, je te dirais, majeure. Là. Vendredi 13 va venir après. Je suis pas sûr qu'on sera en Vendredi 13 là, nécessairement aussi vite dans l'histoire si Halloween n'est pas là. Un, pour faire un, je dirais, un grand coup aussi en termes de revenus. Fait que c'est le film, en fait, qui va placer toute la mythologie. Encore une fois, la petite ville nord-américaine de banlieue, le tueur masqué, la dernière survivante, c'est de là aussi qu'on arrive. Ouais. Fait que c'est un film, comme je dirais, encore une fois, là, marquant. Okay. Là, ça a fait un gros succès, donc on n'est pas surpris d'avoir un Halloween 2. Mais est-ce que c'était déjà la mode à l'époque de faire des suites? Parce qu'il y avait eu Le Parrain début des années 70, mais il me semble que c'est une autre affaire. Bien, ça, tu marques un point. T'sais, en fait, là, les suites, comme on va dire en série, le 1, le 2, le 3, c'est pas nécessairement un phénomène très répandu, mais je vais faire une bémol. T'sais, souvent, on le voit en termes de numéros, mais tu sais, je vais prendre, mettons, les films de monstres, la Universal, les Hammer. Tu sais, les Hammer, il y en a plusieurs avec une... quand même, dans certains cas, vraiment une suite là, ouais, dans les films de Dracula. Acteur, etc. On va Satanic Rite of Dracula, on retrouve les cendres du Dracula du film d'avant. Fait que c'est pas un phénomène si nouveau d'avoir une continuité, d'avoir des suites. Mais là, on va les numéroter. Là, on va les numéroter. Puis là, je pense que effectivement, c'est là que ça va commencer à... je dirais, à les films à suite, là, vraiment, numérotés, là, un peu comme une série presque télé, si je peux dire. Okay. Fait que le 2 va être un peu dans cette optique-là. Il y a une particularité aussi, c'est vraiment une suite. Écoute, ceux qui l'ont vu, le premier se termine, puis quelques minutes après, le deuxième enchaîne. Ouais, là. C'est ça. Fait qu'il y a vraiment un enchaînement. Là, Carpenter va pas le réaliser, c'est avec Rick Rosenthal, de mémoire, en 81, qui va le réaliser. C'est une série, je dirais, tu sais, une suite là, digne de ce nom. Là. Je veux dire, c'est pas aussi nécessairement impressionnant que le premier. On sait à quoi s'attendre, mais on a ce qu'on veut. Tout à fait. La seule affaire, en fait, c'est que là, bon, nous autres, on sait qu'il y en a 13 jusqu'à maintenant. Mais, tu sais, à l'époque, Carpenter, quand il va le produire, parce qu'il va faire la musique, puis il va le produire, il n'y a pas nécessairement l'intention d'en faire 13. Ouais. Tu sais, encore une fois, même dans dans la culture, ça n'existe pas, là, des 4, 5, 6, 7, 8. Là, fait qu'après le 2, pour lui, c'est clair. Michael Myers, il est mort. En fait, si vous avez vu le film, il se fait crever les yeux, il explose. C'est comme fini. Là. Ouais. Fait que l'idée, c'était d'ajouter encore une fois, je dirais, un film, d'augmenter la rentabilité. Ça a permis aussi à Carpenter, qui était un jeune cinéaste quand même, de produire un film, de faire son nom. Fait que le deuxième, c'est une bonne suite respectable. Après ça, on arrive au 3. Le 3, ouais. C'est un peu le scandale parce qu'il n'y a pas de Michael Myers, il n'y a pas rien. On utilise juste quoi, le nom Halloween puis la ville? Tout à fait. Ah, même pas, parce qu'en fait, ça existe. Le troisième, ça se passe à Santa Mira, qui est la ville fictive qu'on va retrouver dans le Invasion of the Body Snatcher en 55, je pense. Écoute, je suis pas sûr, là, mais le premier Invasion of the Body Snatcher, ça se passe à Santa Mira. Bref, une ville fictive. Ouais, fait que ça, écoute, le troisième, ça fait un flop majeur parce que les fans voient Halloween 3, donc s'attendent invariablement à voir Michael Myers. Il est pas là. C'est une histoire d'un médecin un peu alcoolique, divorcé, un père un peu, je dirais, douteux, qui s'en va avec une fille là, qui veut comprendre comment son père a été tué. C'est un peu une histoire abracadabrante. Il y a des robots là-dedans. Écoute, moi, personnellement, c'est un de mes top 5 là, de films à vie. Mais, en fait, il faut revenir à l'idée initiale. L'idée de Carpenter, à ce moment-là, il va encore une fois le produire pour faire la musique. C'est de faire un... c'est de dire, bon, mais à chaque Halloween, ça serait le fun qu'on ait un film qui porte sur le thème de l'Halloween. Fait que pour lui, les deux premiers, c'était quelque chose. Il passe à une autre étape. Et cette idée-là, encore une fois, c'était de faire des films à thème à chaque Halloween. Ce qui est une excellente idée, mais écoute, clairement, le public ne comprend pas, ne savent pas quoi faire d'affaire avec ce film-là. Flop monumental et l'idée, malheureusement, de faire un film par saison s'arrête mourir, là, va ouais. mourir là. Okay. Mais ceux qui ne l'ont pas vu, clairement, là, il y a... faut le voir avec un autre regard. Ah ouais, faut le voir avec un autre regard, là, vraiment. Puis c'est un film avec une des héros, en fait, qui sont des anti-héros. Tout le monde est un peu tout croche là-dedans. Bref, moi, personnellement, c'est un grand coup de cœur. Okay. Après ça, on s'en va au 4.
Le quatrième, effectivement. Là, je suis perdu. 88. OK. Avec Dwight Little. En fait, c'est le retour, de Michael Myers. On voit aussi Donald Pleasence qui jouait le Dr. Loomis, là, qui va revenir aussi pour reprendre son rôle. Puis en fait, quand on parlait aussi de la mythologie, il y a le personnage là, de la fille qui va être joué par Jamie Lee Curtis, mais il y a aussi le docteur qui est un peu comme, j'aurais quasiment le docteur Van Helsing là, dans Dracula. De Dracula, donc, qui va être Donald Pleasence, qui va être quand même un personnage important, fait qui devient un peu le médecin qui s'occupait du jeune Michael Myers, qui devient comme obsédé par, dans le fond, de recapturer là, Michael Myers. Fait que le quatrième, c'est quand même, je dirais, une bonne suite. On va commencer aussi à amener, je dirais, le thème de la famille, parce qu'en fait, ça se passe avec la fille du personnage là, de Jamie Lee Curtis. Okay. Qui va être là-dedans. Puis là, Michael Myers devient un peu comme un tueur, mais qui est un peu obsédé par les liens familiaux. Comment on justifie qu'il revient, Michael Myers? Est-ce qu'on en parle ou on fait comme... Écoute, on fait un peu comme... Il est là. Tu sais, à un moment donné, on voit qu'il est brûlé. Tu sais, je pense qu'on a comme minimisé. On n'a pas fait l'emphase là-dessus. On l'explique pas trop. Puis à la rigueur, je pense que les fans s'en foutent un peu. Ben, ils veulent le voir. Fait que le quatrième est considéré quand même, je dirais, comme une suite respectable. Okay. Ce qui nous amène au cinquième, en 89. Le cinquième, en fait, est vraiment une suite du quatrième. Mais on a commencé à jouer avec une mythologie, je dirais, différente, où on va commencer à amener un culte qui s'appelle le Thorn, un culte druidique. Puis là, je dirais que c'est souvent avec le cinquième là, qu'on commence, je dirais, à quand on veut surexpliquer les affaires, c'est là que ça devient moins bon. C'est l'erreur, je pense, dans laquelle la série a commencé. Là, on commence à amener un culte, puis là, Michael Myers est lié avec ça. Puis là, écoute, il va en prison à un moment donné, il se réussit à se faire capturer, le culte le libère. Fait que, tu sais, effectivement, vouloir expliquer, là, on complexifie la mythologie, qui est quand même simple. Donald Pleasence va quand même reprendre son rôle de Dr. Loomis, mais il va mourir en cours du tournage. Ce qui va affecter aussi un peu le scénario parce que bon, c'était pas nécessairement ça qui était prévu. La mort était pas prévue. Fait que je dirais qu'à partir du cinquième, souvent là, les fans vont l'accepter, mais on voit quand même qu'on est dans une pente descendante. Okay. La pente descendante, à mon avis, va continuer. Oui, avec le 6. Le 6, en 1995. Le sixième, c'est un film qui a eu beaucoup de difficultés. Les studios, écoute, on n'est pas dans une période où le slasher c'est encore nécessairement très très en vogue. Tu sais, les années 90 dans l'horreur en général, c'est pas été une décennie très très intéressante. Fait que le studio s'en mêle beaucoup. En fait, il existe comme deux versions de ce film-là. Okay. Il y a la version, appelons ça, le cinéma, qui semblerait être très très éloignée là, du montage initial du réalisateur. Puis un peu underground, il y a eu des versions un peu plus du montage tel que le réalisateur la voulait. Moi, je les ai vus les deux. Je vais t'avouer, on n'est pas... Ça rend pas le film meilleur. Ça rend pas le film meilleur, là. Ouais. Là, on est allé à fond dans l'histoire là, du culte de Thorne pour essayer encore une fois de sur-expliquer. Tu sais, les cultes de druides, là. Tu sais, le tueur de banlieue, à un moment donné, ça fait beaucoup. Ce qui fait qu'à un moment donné, rendu au sixième, on a l'impression que à trop vouloir faire des... En fait, ça fait un peu l'impression, c'est comme une série où on veut créer des rebondissements puis des punches. Tu sais, les séries qui s'étirent. Ouais. Clairement, là, à mon avis, là, Halloween 6, on est rendu là. Les spectateurs suivent-tu encore rendu là? Tu sais, je veux dire, au niveau du box-office, là. Ah, oh, non, clairement, là, je dirais chaque fois, là, le box-office va diminuer. Là. Comme je te dis, dans les années 90, les slashers, les films d'horreur, de façon générale, c'est probablement la décennie pauvre. Là. Ben, moi, entre le 6 et le 8, je ne sais plus si je les ai vus vraiment, ou ben, si je les ai pas dormis, ou si quel va avant lesquels. Là. Ben, c'est ça. Il y a clairement une perte, là, je dirais, d'intérêt même du public rendu là. Puis, à mon avis, là, on va attendre, on peut encore descendre un peu. Oui, là. OK. Là, on est rendu au 7. Ouais. Là, on a Halloween, ce qu'on a appelé H20. Oh. 20 years later, 20 ans plus tard, en 98.
Par contre, je pense que les studios ont quand même essayé deux, trois trucs. Là. Fait que, on est c'était quand même une bonne idée de faire 20 ans plus tard avec le retour de Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis revient. Ça, ça a été pour les fans quand même. T'sais, en fait, en termes de box-office, il y a une remontée. Okay. Parce qu'encore une fois, là, Jamie Lee Curtis revient. Les fans peuvent connecter ça au premier. Puis en fait, il y a 16 autres là, d'arrêter de faire fi, je dirais, du 3, 4, 5, 6 pour reconnecter à la fin du deuxième. Okay. Fait qu'on essaye d'en faire une espèce de trilogie qui a été séparée par 20 ans. Fait que, tu sais, en ce sens-là, c'est bien. Puis au niveau du réalisateur, c'est Steve Miner. Si on se rappellera, c'est lui qui a réalisé le Vendredi 13, 2 et 3. Okay. Fait qu'on prend un vétéran quand même des slashers des années 80. Tu sais, je dirais... Moi, je l'ai vu aussi. Puis, tu sais, je te dirais, c'est un film que je considère qui avait le cœur à la bonne place. On veut faire un clin d'œil nostalgique fonctionne, mais c'est pas, on n'a pas on vit pas la même passion qu'à l'époque. Non, mais tu sais, je te dirais, c'est quand même, il y a quand même une certaine forme de regain d'intérêt parce que là, on a-tu évacué tous les druides là? C'est terminé. les druides, on les a laissés, Panoramix et compagnie, c'est terminé. Ouais. Fait que Halloween 20 ans plus tard. Je te dirais, tu sais, on peut dire, c'est probablement après le quatrième, là, la suite la plus solide là, en ce sens-là. Là. OK. Ça, c'est le septième. Huitième. Ouais. La Résurrection, en 2002. Ça, c'est Rob Zombie? Non. Pas encore, on n'est pas là. Non. Là, là, pour moi, à mon avis, c'est le fond là, définitif du Barry. Écoute, là, clairement, là, moi, c'est une chose qui m'énerve. Tu sais, quand on est capable de voir presque le studio réfléchir. Là. Ouais. Tu sais, en 2002... ce qui marche, c'est Internet, les télé-réalités, le hip-hop. Fait qu'on se dit, on fout tout ça. Puis on a moi écoute, ce film-là, c'est vraiment ça. T'as l'impression que c'est un film de studio. Ouais. C'est une commande. Mettez-nous un film d'horreur avec une télé-réalité, avec quelqu'un du hip-hop, avec, tu sais... C'est n'importe quoi, c'est une série de clichés. Honnêtement, c'est pénible à voir. Il y a peut-être des fans de ce film-là, là, mais clairement, mauvais film, trop d'influence des producteurs. Fait qu'à partir de là, je te dirais, la série, pour ainsi dire... C'est terminé. C'est terminé. Les fans ont débarqué. Il n'y a pas beaucoup de gens. Là. Écoute, on va passer quand même 5 ans. T'sais, parce que quand même, je dirais, les Halloween... C'est assez régulier. Là, il y a 5 ans, plus personne ne veut nous entendre parler. Et là, c'est qu'on arrive à Rob Zombie. C'est pour ça que je pensais à Résurrection, parce que lui, il relance la série. Ouais. Puis là, c'est vraiment une autre façon de le concevoir. Tu sais, là, on fait, je te dirais, une espèce de méga reset. On repart à zéro. Je dirais pas qu'on fait fi de toutes les autres, mais Rob Zombie, en fait, va reconstruire, tu sais, l'origine. Fait que, tu sais, les deux... En fait, Rob Zombie en a réalisé deux. Il n'y a pas de référence à Carpenter, puis... Il n'y a pas non plus d'intention de faire une copie. Ouais. Tu sais, on n'est pas dans... On part du même principe, mais on crée un autre film. Ouais. Puis même, je dirais, presque une antithèse. Tu sais, si on revient à Halloween, c'est une petite banlieue propre des gens. Là, on est dans des rednecks. C'est le... Tu sais, je sais pas c'est quoi l'expression française, mais c'est le white trash, tu sais. C'est la pauvreté, la misère, l'échelle sociale est extrêmement basse. La mère de Michael Myers, c'est une danseuse. C'est trash, là. OK. Mais il y a beaucoup de fans qui ont été choqués parce qu'ils ont dit... Ça s'éloigne trop de l'idée d'origine qui était de rendre ça l'horreur dans la normalité. Dans le quotidien. Alors que Rob Zombie a pris un peu, je dirais, l'optique du tueur en disant, pour devenir un monstre comme ça, je vais essayer de voir quel milieu l'a créé. Okay. Fait qu'il est allé, créer un peu justement, tu sais, misère, la pauvreté, la violence. Puis lui, ce qui s'est intéressé, c'est à la genèse du monstre, du Michael Myers, plutôt que de mettre comme l'emphase Carpenter sur la banlieue et le monstre qui arrive dans la banlieue. Là, en fait, c'est encore une fois, c'est plus la création de l'émergence du monstre. Peu importe. Fait que quand on comprend ce sens-là, c'est comme deux visions complètement différentes. Fait que, t'sais, Rob Zombie a beaucoup été critiqué pour son choix comme esthétique puis de la façon d'amener l'histoire, mais c'était plus une réflexion sur comment on arrive à ça, en fait. Ouais. Donc lui, il va en faire deux, le 9 et le 10e. Oui, tout à fait.
2007-2009. Puis il y a une logique entre ces deux, là. Lui, il fait la... Oui, il y a, c'est un univers qui est cohérent. C'est un univers, que je dirais, qui est très Rob Zombie. Là. Tu peux l'écouter, tu peux écouter juste ces deux-là, oui. Puis avoir de quoi être satisfaisant. Oui, tout à fait. Après ça, on va arriver avec une nouvelle trilogie, encore une fois. Mais une nouvelle trilogie, tu sais, en fait, c'est ce qui rend ça compliqué. Parce que là, en fait, on extirpe, je te dirais, tu sais, ce qui est de Rob Zombie. On va enlever tout ce qui existe après le quatrième. Halloween 20, on peut ou pas l'inclure. Ce qui est la, en fait la nouvelle trilogie de David Gordon Green, qui a fait le premier Halloween, Halloween Kills, puis Halloween Ends, qui est une trilogie, je dirais aussi, comme relativement cohérente, mais qui inclut quand même les deux premiers. Là. Fait que là, on okay. a encore une fois Jamie Lee Curtis qui revient. Quand même là avec là c'est intéressant parce que c'est un personnage là, qui est plus ravagé, il y a vraiment des enjeux de post-traumatique aussi, ouais. Fait que là c'est vraiment on se penche beaucoup aussi sur ce personnage là, comment cette rencontre là dans le premier avec le tueur a affecté sa vie familiale. Fait que en fait si on peut voir ça avec un pas de recul, Rob Zombie s'est intéressé à la genèse, je dirais, de Michael Myers, alors que cette trilogie-là va s'intéresser un peu à l'impact sur les victimes ou la victime. Puis tout le, à quel point ça peut jouer sur les relations, sur le social, la vie familiale. Bon, ça n'en fait pas un grand film psychologique, mais on voit vraiment que, dépendamment de cette série-là, comment les réalisateurs se sont comme... Quelles lunettes, quel angle ils ont pris, là. Fait que c'est une belle trilogie, par exemple. OK, tu es plus réussi, là. Ouais. Clairement, là, la dernière, le dernier, là, Halloween Ends, dans cette forme-là, c'est terminé, là. Je veux dire, il reste plus rien de Michael Myers qui pourrait être ressuscité. Ça n'empêche pas les studios qui vont probablement pouvoir faire un reset, là, un moment ou un autre. Michael Myers dans l'espace. Dans l'espace. Mais on voulait quand même, je pense, créer une espèce d'univers. Tu sais, le réalisateur qui a eu quand même la chance de faire ses trois films, créer un univers, je dirais, qui lui appartenait, qui est cohérent. Puis après ça, ben écoute, advienne que pourra. Là. Jamie Lee Curtis, là, quand elle revient, là, t'sais, 40 ans plus tard, là, faire des Halloween, là, elle a c'est-tu une espèce de contrat en disant « Ah, ben OK, vous m'offrez, je vais y aller » ou elle a encore la fibre, elle a encore le goût de faire ça? Et ça, c'est une bonne question. Écoute, souvent, les fans y ont reproché parce qu'il faut comprendre là, que, tu sais, ce qu'on appelle la Scream Queen, des actrices qui ont été comme très présentes dans l'horreur. Il y en a eu plusieurs dans l'histoire. Ouais. Puis au début, je dirais, tu sais, Jamie Lee Curtis, elle rentre là-dedans. Là. Elle a fait bon, les deux premiers Halloween, elle a fait Terror Train, The Fog. Tu sais, au début, elle est très, très présente dans les films d'horreur. Il faut se rappeler aussi que la mère de Jamie Lee Curtis, c'est l'actrice qui joue en fait dans Psychose. Oui, oui. Son père, c'est Tony Curtis. Des grands acteurs. Là. Oui, clairement. Là. Donc, elle commence dans le film d'horreur, mais à un moment donné, on sent un désir de se détacher un peu de... Pour pas probablement, en tant qu'actrice, dire ben, « je vais être cantonné à ce genre de rôle-là toute ma carrière. » Fait qu'à un moment donné, elle va clairement se distancer, là, je dirais, de l'horreur. Puis les fans ont vu ça un peu comme une forme de snobisme. Là. Même dans les conventions, elle voulait pas apparaître. Là. Elle voulait pas faire de conventions d'horreur, tout ça. En fait, bon, lors d'une entrevue, elle revient là-dessus, elle disait qu'elle ne s'était jamais sentie proche de ce public-là non plus, jusqu'à temps qu'un de ses amis a dit « Il faut que tu fasses au moins une convention une fois. » Puis, en y allant, elle a découvert... Elle a eu beaucoup d'amour, probablement. Elle dit eh bien, c'est ça, là, ça l'a marqué. Elle dit à quel point les fans, écoute, ils t'adorent. Puis... Je pense pas qu'elle s'attendait à ce genre de femme, de fan là. Je sais pas si elle s'attendait juste à du monde un peu glauque. Ouais, ouais. Moi pis toi. Ouais. Mais tu sais, elle a découvert un peu un autre type de gens. Puis comme écoute, fait qu'elle a revu un peu justement ces films-là avec un autre angle. Puis en se rendant compte en fait que les fans d'horreur sont souvent des fans très fidèles. Ouais. Tu sais, qui vont se rappeler de films de 20, 30, 40 ans. Avec beaucoup d'amour, puis que des films qui ont été des box-office, mais qui vont être comme oubliés du public. Mm-hmm. Fait que son rapport a changé. Ce qui fait qu'on sent, en tout cas, dans cette trilogie-là, que le cœur y était probablement plus, puis que je pense qu'elle comprenait aussi que dans sa carrière d'actrice, c'est probablement ça qui va rester plus longtemps que même des rôles plus prestigieux qui vont partir. Absolument. Si tu demandes aux gens de Jamie Lee Curtis, c'est pas mal certain que 80% des gens vont dire Halloween. Tout à fait.
Anecdote, moi, que j'aimerais qu'on parle, parce que c'est quelque chose que moi, je sais, mais si les gens savent pas, je pense que ça, il faut la peine de le dire. Le masque de Mike Myers, parce que c'est pas n'importe quoi, là. C'est pas un masque qu'ils ont créé, ça, là. Ça, c'est, je vais te laisser la raconter. Ben oui, parce que c'est... Ben, en fait, effectivement, quand on commence, en fait, là, faut comprendre que c'est un peu comme Vendredi 13, tu sais, en fait, maintenant, les choses, on les planifie beaucoup d'avance. Mais dans ces deux films-là, en fait, on commence à tourner le film, puis on est encore à se dire, il faudrait bien trouver finalement le tueur, il ressemble à quoi? Ben, Vendredi 13, ça a pris trois films avant qu'il trouve son masque de Gaulard. Non, mais il faut le dire, les gens ne le savent pas nécessairement. Non, mais c'est vrai. Il va toujours être représenté comme ça, mais il n'a pas de masque ni dans le... Ben, dans l'un, c'est même pas lui. Dans le deux, il y a un sac de papier sur la tête. Tête d'oreiller. Oui, c'est ça. Fait que là, finalement, bon, bref, Carpenter dit, ben, écoute, on va faire une couple de tests. Et ils vont chercher des masques un peu d'Halloween, des trucs. Puis, ils arrivent avec un masque de William Shatner de Star Trek. Fait que là, à un moment donné, bon, ils regardent ça en disant « Ouais, ouais ». Fait que là, ils enlèvent les sourcils, se mettent à teindre les cheveux, visage blanc. Puis, finalement, fait que le premier, à fait, parce que les autres masques vont être ajustés là, ou modifiés légèrement. Mais le premier, si vous regardez, c'est le masque de William Shatner de Star Trek qui a été simplement peint en blanc, enlevé les sourcils puis les cheveux un peu plus foncés. Ouais, ouais, c'est drôle, là, quand même. Puis c'est devenu quand même une figure. Ben oui, oui, mythique, là. Une horreur qu'il l'était déjà. William Shatner, en plus. Et on disait Halloween dans l'espace. Il est allé avant. Ouais. Oh! Hey, merci, Jimmy. Super intéressant. C'est Rick, ça me donne le goût de revoir. Puis même ceux que je me rappelle pas, là, parce que c'est un peu nébuleux tout ça. Merci à vous d'avoir été là. J'espère que ça vous a donné le goût de vous replonger dans la série Halloween ou Star Trek, dépendamment. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Vidéo Terreur.